Ouais, non, je suis en train de faire une liste de tout ce qu'on peut faire à la maison pendant un confinement, comme celui qu'on vit en ce moment. Eh ben, mine de rien, on peut faire plein de trucs, hein. Faut arrêter de se victimiser et de pleurnicher. Par exemple, bon, bah, on peut regarder la télé, lire, écouter de la musique, s'engueuler avec sa compagne ou son compagnon, s'ennuyer, s'emmerder, glander, se faire chier, se prendre la tête avec l'autre. Ah oui, déprimé aussi. Par contre, il faut faire attention quand on reste trop longtemps confiné, comme c'est mon cas, peut y avoir des effets un peu bizarres. Maintenant, j'arrive à rester des heures devant le miroir, à me parler, à m'apprécier énormément même. Non, arrête, arrête, c'est du monde, on me regarde, arrête, Eric, arrête, non, non, pas maintenant, je t'en prie. Oh, putain, je suis tombé amoureux en plus.